Morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Nishmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Machlouf Micha ben Masouda Rivka, Bat Levi Yitzhak, Dov ben Yudit, Avram Chayin, Robert ben Fortune Mazal, et si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Kenim, Perek Aleph, Mishnah Bet. Chatat Shenita Arva be Ola, ve Ola be Chatat, Afilu, Echad Beribo, Yamutu Kulam. Chatat Shenita Arva be Chova, En Kacher Ela Keminan Chataot Shebe Chova. Vechen Ola Shenita Arva be Chova, אין כאשר אלא כמניין עולות שבחובה, בין שהחובה מרובה והנדבה מועטת, ממועטת. בין שנדבה מרובה וחובה ממועטת, בין ששתיהן שוות. משנה פטית מאלור. אמתי פימון קיין. אקרושבו, און קומנס קינים, תריסר אוזמן אוג'ורדוי. יא, זה סמפל. יא אין אספרי יא קומפרנד, אין, דקור, אין סרטן פרובלמטיק, כי בא רופר סורפס, סו פלוזר זספי, פרנטות על המסכת. C'est pas compliqué, Bezrat Hashem. Enfin, c'est pas compliqué. Si c'est bien expliqué, Bezrat Hashem, ce sera pas compliqué. Il faut juste comprendre, concentrez-vous. Très bien, prenez, mettez-vous au calme et on explique le principe. J'ai préparé ça avec un rappel et quatre points à poser et à assimiler, et puis après tout ira bien. D'abord, premier rappel, c'est la Mishnah précédente. On avait appris qu'il y avait des korbanot qui sont des chatataof et olataof. Des volailles qu'on peut faire sans korban chatat. Chatat, en général, c'est pour expliquer quelque chose. Ola, c'est plutôt un don qu'on fait, un don qu'on fait à Hachem. La différence, elle est essentielle. D'abord, Chatataof, elle est consommée par les Kohanim. Ola Taof, elle est entièrement brûlée. Mais surtout, surtout, le plus important, ce qui nous intéresse, c'est que la Chatataof, il faut la faire en bas du Misbéach. Ouais, on le fait là-bas, la Melika, la Shrita des oiseaux, et on asperge en bas du Misbéach. Et la Ola Taof, on la fait en haut du Misbéach. On monte à proximité. On lui fait la Melika, on verse le sang directement en haut du Misbéach, et puis on la jette au feu. Et du coup, ça c'était le rappel. Du coup, lorsque on a un khatat et une ola, maintenant premier point, un khatat et une ola qui se mélangent. J'avais désigné un khatat taof et une ola taof. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est que je les ai mélangés, j'ai pas fait attention, je ne les reconnais plus. Deux oiseaux identiques, et ben je peux plus rien faire avec ces oiseaux. Parce que je peux pas en prendre un en me disant bon, je vais le faire en bas du misbéach. Parce que si c'est la ola taof, tu dois la faire en haut du misbéach. Je peux pas en prendre l'autre et dire je vais le faire, je peux pas le prendre et aller le faire en haut, parce que peut-être que c'était le Khatatov qu'il fallait faire en bas du Misbéach. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces oiseaux? On ne fait plus rien, on les laisse mourir de faim. On les laisse mourir. Pourquoi? Petite précision, que seulement dans les mammifères, il y a la possibilité d'attendre qu'il va y avoir un défaut et de les racheter. Tandis que dans les volailles, il n'y a pas de rachat. Donc, on les laisse mourir et on apportera d'autres corbanotes à la place. D'accord? Donc on a déjà fait le rappel, en expliquant chacun à sa place, on a déjà posé le premier principe des mélanges. Maintenant, deux points très simples aussi, pour différentes sortes de averot, ou d'expiation, ou de purification. Zav, Yoledet, Nirnas Amigdash Tame, tout ce qu'on avait évoqué dans la Mishnah, ce qu'on appelait les kinim chez Bechova, le mot kinim, ça veut dire un nid. Par association, on appelle ça en fait dans la Mishnah, c'est une paire d'oiseaux. Qu'en général, la Torah me demande d'apporter un korban khatat, un korban ola. Une khatataof et une ola taof. Ouais, ça marche par paire en général. Par exemple, on va souvent parler d'une yoledet. C'est là le cas de kinim le plus fréquent, je pense. Une femme qui a accouché, elle doit apporter ensuite un korban khatat, un korban ola, en oiseau. Elle a la possibilité de le faire selon le cas. Et donc en oiseau, en apportant une paire d'oiseaux. Maintenant, lorsqu'elle va acheter les oiseaux, et qu'elle va les sanctifier pour en faire un korban, elle n'est pas obligée de définir qui sera le khatat, qui sera le hola. Elle peut décider que, bon, de ce canne, ce sera un canne que j'apporterai pour mon devoir d'apporter un korban. Ce sera une paire que je vais apporter. Quand elle va définir comme ça, et bien il s'avère qu'elle va faire une chalot doucha, elle va appliquer une sainteté sur les oiseaux, qu'il va y avoir un khatat et un hola indéfini, mais quoi qu'il arrive, un khatat et un hola. Impossibilité d'en faire maintenant deux khatat. Mais un qui sera khatat, un qui sera ola. Elle pourra décider d'en prendre un, elle va le faire khatat, le deuxième il deviendra ola. Elle va prendre l'autre, ce sera l'autre qui deviendra ola. D'accord? Mais, par exemple, on va illustrer un cas qu'on évoquera dans le prochain Mishnayot. Si elle va définir une paire de khatat, une paire, et à part ça aussi une deuxième paire, et les deux vont se mélanger ensemble, elle va être bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra plus apporter maintenant deux khatat et deux ola. Dès qu'elle va prendre un, elle va dire, bon, lui il sera khatat. Alors il y aura sa paire qui va devenir forcément Ola. Elle ne pourra plus prendre un deuxième khatat, parce que peut-être qu'elle va tirer le deuxième Ola. D'accord? Parce que là, cette fois-ci, elle a défini
puisqu'il y avait maintenant, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle n'avait pas défini à l'intérieur d'une même paire qui sera le khatat qui sera Ola, mais quoi qu'il arrive, il y en a un khatat et un Ola. Donc dès qu'elle va en fixer un qui sera khatat, l'autre il deviendra Ola. On reviendra sur le cas, et puis maintenant on passe au troisième point, c'est-à-dire quatrième point si on compte le rappel. Troisième point maintenant, c'est aussi une femme qui a accouché par exemple, trois fois de suite, elle n'a pas le temps d'apporter ses korbanot, que bon, Hachem, elle déjà retourne enceinte, elle est un peu fatiguée, hein, puis finalement, après 2 ans, elle veut apporter les korbanot pour les 3 naissances passées. Donc elle va devoir apporter 3 paires. Ce qui se passe avec cette femme, c'est que au lieu d'aller acheter 3 paires, elle est partie directement acheter 6 oiseaux. Ouais, 3 fois 2, ça fait 6. Donc directement, pourquoi dire je vais prendre 2? Elle prend 6 en même temps, elle dit, ben ça ce sera pour mes 3 canines que je dois apporter, pour les 3 paires d'oiseaux que je dois apporter. Et bien lorsqu'elle va sanctifier les oiseaux de la sorte, pour le moment, elle a fait que dans à l'intérieur de ces 6, il y en a 3 khatat, 3 ola, indéfinis mais impossible d'être changé à autre chose. Elle ne pourra plus décider d'en faire que des khataot. Elle ne pourra plus décider d'en faire que des holot. Elle devra nécessairement choisir 3 dans ce groupe de 6, en choisir 3 qui seront khatat, et les 3 autres deviendront ola. Elle peut prendre le premier, deuxième, troisième, khatat, 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 maintenant les 3 qui restent sont devenus des ola. Ok? Maintenant, là, c'est le point délicat, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va y avoir un korban, un khatata off défini, qui va se mélanger avec ces 6 oiseaux. On ne va pas en parler de ce cas tout de suite, c'est le cas où on va aboutir, on va en parler déjà dans notre Mishnah de celui-ci, on va parler d'abord d'un cas plus simple, un khatata off qui se mélange avec une paire d'oiseaux. Une femme qui devait apporter donc un korban khatata off et olata off, elle devait les apporter, et elle avait à part ça quelqu'un qui lui a dit d'apporter un korban khatata off au Beth Amikdash, elle les a pris, elle les a mis ensemble, elle les a mélangés. Alors là, attention, elle est déjà entrée dans une galère. Parce qu'elle ne pourra plus faire 2 khatat et une ola. Elle est très embêtée, elle ne pourra plus du tout faire de korban ola, en fait. Parce qu'à partir du moment où les korbanot, à partir du moment où les oiseaux se sont mélangés, il s'avère que maintenant il y en a 1 khatat et une paire indéfinie. Ben, elle ne pourra plus apporter un ola, parce que dès qu'elle va prendre un oiseau, elle va dire, bon, lui, je vais le faire en ola. Comment tu peux faire en ola? Peut-être que cette fois-ci, tu as t'as pris en main le khatat défini qui s'est mélangé. Donc tu pourras que le faire khatat. Bon, alors lui tu vas le faire khatat. Maintenant il t'en reste 2, qu'est-ce que tu fais avec les 2 autres? Eh bien plus rien. Parce que tu pourras pas le faire, tu pourras pas en prendre un et dire khatat. Pour quelle raison? Parce que peut-être que tu es en train de prendre le hola, pourquoi? Parce que peut-être que le premier que tu as sorti en fait, c'était un des 2 oiseaux de la paire. Et lorsque tu as décidé que tu allais le faire khatat, l'autre il est devenu hola. Donc maintenant tu peux plus le prendre et dire que tu vas le faire khatat. Tu ne pourras pas non plus ni faire khatat, ni faire hola. Tu ne pourras pas non plus faire de hola. Pourquoi? Parce que peut-être que maintenant, tu es en train de t'attirer le khatat défini qui s'est mélangé. Donc tu es bloqué. Donc en fait, il s'avère que lorsqu'il y a un khatat qui va se mélanger avec 2, avec une paire, tu pourras que faire un seul khatat uniquement. D'accord? Parce que tu vas dire de 2 choses une, soit c'est le premier khatat, soit c'est il appartient à la 2e paire, donc je définis en ce moment qu'il est khatat. Mais après, tu n'as plus rien à faire. Maintenant, nouveau cas de figure, on avait 2 paires mélangées, donc comme on a dit, la femme elle a acheté 2 paires d'oiseaux, et il y a eu un khatat qui s'est mélangé en eux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Même principe, venez, on décortique le cas ensemble. Il y a un khatat qui s'est mélangé avec 4 oiseaux. Dans les 4 oiseaux, il y en a 2 khatat de hola, indéfini, tu choisis ce que tu veux. Ben maintenant, l'oiseau il se mélange, donc maintenant on en a 5 devant nous. Bon, elle peut déjà prendre un premier en disant, lui je le fais khatat. Elle peut. Pourquoi? Parce que de 2 choses l'une. Soit c'est le khatat défini, soit c'est un oiseau qui appartient au groupe des 4, et qu'en ce moment, elle est en train de le désigner de devenir un khatat. Super, tu le mets de côté, c'est un khatat. Hop, il en reste 4 maintenant, elle prend un deuxième, elle dit, ah lui je le fais khatat. Très bien. Pourquoi? Les 2 choses l'une. Soit c'est le premier que maintenant il est. C'est le premier défini qui est en train de maintenant que tu as repris en main. Soit il appartient au deuxième groupe. Et finalement, tu as une deuxième chance, tu as une deuxième possibilité de dire un khatat. Mais après, tu es bloqué. Il en reste 3, tu ne peux plus rien faire avec eux. Parce que tu ne pourras pas en faire ni un khatat ni un hola. Même entre parenthèses, depuis le début, tu ne pouvais même plus faire de hola. Ouais. Lorsqu'il y en a eu un qui s'est mélangé avec les 4, tu ne pouvais même pas faire un seul hola. Parce que dès que tu en prendras, peut-être que tu es en train de tirer le khatat qui s'est mélangé. Tu peux plus prendre un khatat et le faire hola. Et même principe maintenant, lorsqu'il va y en avoir un khatat qui va se mélanger avec 3 paires d'oiseaux, le même principe d'indéfini, ouais, il y en a 6 d'un coup,
trois qui doivent être Hatat, trois qui seront là. Tu prends un Hatat qui se mélange avec eux, donc tu en as sept devant toi, tu pourras faire que trois Hatat. Et ainsi de suite, si tu vas avoir 10 paires et un oiseau qui va se mélanger avec eux, un Hatat qui va se mélanger avec eux, et ben tu pourras faire juste 10 Hatat. Bien qu'il y a en théorie 11 Hatat, tu pourras faire que 10 Hatat. Il s'avère qu'en fait, si je tire la généralité, tu pourras faire. Celui qui va définir l'espèce que tu apporteras, c'est celui qui s'est mélangé. Donc si c'est un khatat qui s'est mélangé, tu pourras apporter maintenant des khatat. À quelle quantité? Le nombre de khatat qu'il y a dans la paire, dans le groupe des paires, sans compter l'autre. Vous avez compris le principe? Et même principe aussi, si c'est un hola qui s'est mélangé, ou si c'est même deux hola qui s'est mélangé, à partir du moment, désormais tu pourras apporter uniquement des holot, et quelle quantité de hola? Le nombre de hola qu'il y avait dans les chovas. D'accord? Eh ben, on a expliqué toute la première Mishnah. Après, les prochaines Mishnayot vont être de compliquer ça. On aura l'occasion de se casser la tête. Mieux que ça, Bezrat Hashem, lorsqu'on étudiera la prochaine Mishnah, je rappellerai encore un petit peu tous ces principes. Et au fur et à mesure, ça va prendre un peu de temps pour être compris par tout le monde, Bezrat Hashem, mais vous avez compris l'idée. L'idée, finalement, si je récapitule, Khatat et Ola, ils ont chacun leur place. Lorsqu'ils se mélangent, t'es bloqué. Et le but de Kinim est de définir maintenant, parce qu'il va y avoir des mélanges, combien on va quand même pouvoir sauver de pots cassés. On a introduit le principe, en fait, de désigner trois paires d'oiseaux, par exemple, que dans ce même groupe d'oiseaux, il y en aura trois khatat, trois hola indéfinis, mais obligé d'en faire que trois khatat et que trois hola et pas autre chose. Et de ce fait, on a évoqué le cas, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un khatat qui va se mélanger dans ces six oiseaux, que tu pourras faire, par exemple, si c'était un khatat qui s'est mélangé dans les six oiseaux, tu pourras prendre que les trois khataot chez Bachova. Dans le doute, tu vas, ce qu'on dira sans arrêt de deux choses l'une, soit c'est le premier, soit c'est le deuxième. Et voilà. On fait tout ça dans les mots, Bezrat Hashem. Khatat shenit arva be'ola. Khatat haof, qui s'est mélangé avec une ola, ou plusieurs olot. Ve'ola be'khatat, ou bien une ola qui s'est mélangée dans plusieurs khatat. Afilo echad beribo, même une dans 10 000. Il y avait 10 000 ola. Il y a un khatat qui est parti se mélanger avec eux, maintenant je ne sais pas où il est. Eh bien, il y a mutukulam, ils vont tous mourir. Pourquoi? Parce que je ne pourrais plus jamais en prendre un et en faire même un hola. Il n'y a pas de bitul berov dans les êtres vivants. De ce fait, celui que tu as pris, il est peut-être le khatat. Et donc, tu ne pourras pas le faire en korban hola. Donc, tous, tu les laisseras mourir. Maintenant, khatat shenit arva bechova. Un khatat qui s'est mélangé bechova. Chova, c'est un diminutif du kan chova qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, c'est-à-dire une paire qu'on apporte en guise de chova, d'obligation. Parce qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente que des fois la Torah nous dit d'apporter une paire de khatate et ola, ça c'est lorsque c'est une chova en général, lorsque j'ai une obligation, parce que c'est un zav qui devient pur, parce qu'il est entre au Batamikdash alors qu'il était tamé, parce que c'est une femme qui a accouché. Il y avait comme ça, il y avait Shmiat Kol, Allah, on avait appris tout ça dans la Mishnah précédente. Que lorsque la Torah elle m'impose que c'est quelque chose d'obligatoire d'apporter, forcément il y aura un khatat et ola. Alors que lorsque je vais faire une nedarim ou nedavot, un vœu, un don, dans ce cas-là, j'apporterai que des holot. On ne fait jamais un khatat en. Donc du coup, le diminutif, habituez-vous à cette terminologie. Chova, ça veut dire une paire d'oiseaux que tu es obligé d'apporter. Et d'accord? Donc du coup, quand il y a marqué khatat shintarva bechova, ça signifie un khatat défini qui s'est mélangé avec une chova, avec une paire indéfinie. D'accord? Un paire indéfinie, ça veut dire qu'il y a un khatat ou un hola, ou même qu'il peut y avoir même deux khatat et deux hola aussi. Donc un khatat qui s'est mélangé dans un groupe de chova, d'oiseaux qu'on apporte en guise d'obligation, en devoir. En kasher ala kemian khatat shebechova, tu ne pourras apporter en korban, tu ne pourras faire de ce mélange maintenant que le nombre de khataot qu'il y a dans la chova, dans le nombre de paires. Ça veut dire que si tu avais pris qu'il y avait trois paires que tu as apportées, donc dans les trois paires, il y a trois khataot, tu pourras apporter ces trois khataot uniquement. Pourquoi? Parce que maintenant, comme tu as un khatat qui s'est mélangé, chacun que tu vas prendre, il faudra que de deux choses l'une, soit si c'est le premier qui te définit, eh bien tu l'apportes, soit s'il appartient au groupe des paires indéfinies, eh bien en ce moment tu le fixes. D'accord? Soit tu le retrouves, tu retrouves le premier, soit tu fixes en ce moment parce qu'il appartient au groupe du deuxième. Et inversement aussi. Vechen Ola Shenitarva Bechova. Idem s'il y a une Ola, même unique, qui s'est mélangée dans plusieurs Chova. Quand on se mélange dans trois paires, dans cinq paires de Chova, eh bien il s'avère qu'il y a cinq Ratat et cinq Ola.
Et maintenant, tu as un hola qui se mélange, tu pourras porter. En kasher ala keminan olot shebachova. Tu ne pourras porter de ses pères que le nombre de holot qu'il y a dans les korbanot imposés. D'accord? Donc, puisqu'il y avait 5 pères, donc il y a dedans 5 hola et 5 ratat, tu pourras porter les 5 hola. Ben shachova meruba va nedava mouetet. Alors, le mot nedava, ça veut dire qu'en fait, il y a eu plusieurs holot qui se sont mélangés. Ouais, les mots, ils sont pas assez précis, ça complique. N'ayez pas peur des mots, quoi. Mais Ben Shachova, même qu'il s'agisse de pères de Chova, d'obligation indéfinie, Meroubé, qui est nombreuse, tandis que la Nedavel est Mouetet, tandis que le nombre de Holot qui se sont mélangés, il est faible. Par exemple, il y avait deux Holot qui sont mélangés dans 20 pères, tu apporteras quoi? 20 Holot. Dans 20 pères, ça veut dire qu'il y a 40 oiseaux, donc il y en a 20 qui seront Hola, 20 qui sont Fratat. S'il y en a eu deux qui sont mélangés dans les 20 paires, donc maintenant on a 42 oiseaux, on pourra porter 20 hola uniquement. Ben Shanedava Meruba, même s'il y a eu plein de holot qui se sont mélangés, vers Chova Mouetet, la Chova elle est faible. Par exemple, il y avait 3 paires uniquement, et on avait 20 holot définis, qui se sont tous mélangés dans les 3, avec les 3 paires d'oiseaux. Maintenant on a 26 oiseaux, et il s'avère qu'on pourra porter quoi? Juste 3 holot, le nombre de hola qu'il y a dans la Chova. Ben Shishtem Shavot, même si les deux sont équivalents, c'est la même quantité. C'est surtout une phrase qui a été dite pour amorcer la prochaine Mishnah, en fait, en comparaison. Et vous avez compris le principe, j'espère que ça a été assez clair. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.